Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Marhaba bikoum, pour les arabophones. Encore une fois, il y a beaucoup de gens du Maghreb qui me regardent. La jazikoum l'khair, marhaba bikoum. On va s'attaquer au code Words 17, le mot le plus court. Et le mot le plus long, c'est la même chose, mais en inverse, d'accord? On vous donne une chaîne de mots, envoyez la longueur du ou des mots les plus courts. La chaîne ne sera jamais vide et vous ne devez pas tenir compte des types de données, nombres, lettres, etc. Et ensuite, il nous donne un exemple. Dans le Find Short, il y a une phrase et ensuite il nous donne trois. Abonnez-vous, likez, j'ai oublié. Ça, c'est pour encourager ma chaîne, évidemment. Donc, sans Python et en JavaScript, on va commencer par le Python Shadow. Donc, CTRL A, on efface tout ça. On va créer une fonction. Def find short. Dedans, il y aura une phrase, sentence. D'accord. La première des choses, c'est qu'on va séparer notre phrase avec la fonction split. D'accord. Donc, on va dire les words égale à sentence. Split. Ok. On va voir ce que ça donne. Print words. Voir ce que ça donne, inshallah. Donc, find short. Bonjour à tous. Je suis web développeur depuis 2020. Ok. Voilà. Et on va aller là. Python. MA. Bonjour à tous. Je suis web développeur depuis 2020. Vous avez vu, donc ça a splitté notre phrase. Ça veut dire que ça nous l'a coupé. Et automatiquement, ça nous l'a coupé à chaque espace, ça nous coupe la phrase. Ok, on continue. Contrôle X. Deuxième étape. On va initialiser le mot le plus court. D'accord? Le mot le plus court, on va l'initialiser. Donc, on va faire Word min length est égal à quoi? À len, donc c'est la longueur de words, à l'indice 0. Ok, donc là, on a initialisé notre variable. Word min length, ça veut dire le mot le plus court, quoi. Minimum, mot plus court, mot minimum. Maintenant, on va créer une loop. Comment ça s'appelle? Une loop. Oh là là, j'ai un trou de mémoire. Ça va parcourir la liste en entier. Une boucle, oh là là, je suis nul. Il est quelle heure? Ah, j'ai pas pris mon goûter, il est bientôt 5 heures. C'est normal, je suis un peu fatigué comme ça va pas. Donc, for world, comme d'habitude, in world. Donc, tous ceux qui sont habitués à mes vidéos, ils voient que c'est toujours le même code au final. Toujours le même code. Et dans cette boucle, on va chercher. Donc, on va faire la condition, on va chercher le mot le plus court à chaque fois. On va boucler. Donc, on va faire len word. Si len word il est plus petit que word min length, et ben dans ce cas, word min length il est affilié à len word. Ok. Et après, on sort de la boucle, return min word min length. Voilà, tout simplement. Le code, il n'y a rien de plus simple. Est-ce que vous avez compris? Donc, on en a créé une boucle for word in words. Words, c'est le split qu'on a fait de notre phrase. Et ça va boucler sur un truc, c'est que si jamais notre word
qui a été compté par la fonction len, il est plus petit que world min length, et ben min length, on l'affilie à lord len world. Est-ce que vous comprenez, j'espère? Maintenant, on va travailler ça. Donc, on va dans le terminal. Ah oui. Il faut printer ça. Et oui. Si on print pas ça, il n'y aura jamais de résultat. Pourquoi 1? Parce que c'est A. A, c'est le plus petit. Maintenant, regardez, on va effacer A. Et là, ça va donner 2 parce que je, c'est le plus petit. Donc. Voilà, ça donne 2. Ok, bon. Bah, j'espère que vous avez compris, mon charabia. Maintenant, on va aller en JavaScript, Inch'Allah. Donc, on va faire un petit contrôle A. Et ensuite, on efface. On va créer une fonction. Find short. Vous avez vu, l'écriture, c'est pas pareil. Hein. C'est du JavaScript. Ok. Et sentence, toujours la même variable. Sentence, c'est phrase. Hein. D'accord. Donc là, c'est du JavaScript. Hein, vous ne trompez pas. Et là, on va initialiser words. D'accord, donc nomo world qui va être splitté. Split. Et là on met un espace. C'est pas comme en Python. Ça veut dire que ça va splitter à chaque espace. Ok. Et là on va tester, comme tout à l'heure, console log world. J'ai oublié le point virgule. Et là, on va faire find short. Bonjour à tous. Je suis développeur web depuis 2020. Depuis 2020, j'ai toujours pas fait de projet d'ailleurs. Ça va pas, ça. Contrôle S. On va dans le PowerShell, on va clear tout ça. Note, ça va donner un normalement. Hein. Non, ça va donner une liste. Voilà, bonjour à tous, je suis web développeur de. Voilà. Donc ça a splitté tout ça. Ok, on va clear un peu tout ça. Ça, on le dégage. Ctrl X. On va continuer. Alors, maintenant, on va initialiser le mot le plus petit. Donc, Word. Min, non, on va faire plutôt comme ça. Min length, il est égal à quoi? À words, un indice 0, point length. Ce mot-là, je m'y ferai jamais, je me trompe tout le temps. Ok, il a initialisé à ça. Et comme dans notre, comme en Python, maintenant on va boucler. On va créer une boucle. Sauf que là, c'est une boucle for. D'accord? Ensuite, let i est initialisé à 0, si je dis pas de bêtises. Non, cette fois-ci sera initialisé à 1. I, il est plus petit que words. Point length. Et enfin, on fait un i++, ça c'est pour parcourir notre liste. À chaque fois, il est initialisé à 1, il est plus petit à chaque fois que il est plus petit que world length, et à chaque fois i++, à chaque fois donc i parcourt. i++, plus 1, plus 2, plus 3. C'est ça la boucle. Ensuite, on va initialiser le mot word. Qui sera égal à words, un indice i. Ok, là c'est pour que ça boucle. Hein. D'accord, si vous mettez pas i, vous mettez 1, ça va pas boucler. Nous on veut que ça boucle à chaque fois. Et là on va faire notre condition if
word.length. Il est plus petit que notre word minlength. Et après, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que notre word minlength est égal à word-length. Ok. Donc on l'a fini. Donc si notre mot il est plus grand que notre mot minime, et ben notre mot minime il sera affilié à notre mot normal. Et à la fin de la boucle for, on sort de la boucle for et on retourne word min. Voilà. Alors j'espère que ça va fonctionner, Inch'Allah. Contrôle S. Normalement on a 1. Donc c'est parti. Node. Main. Ça va donner 1. Oui. Oui. J'ai oublié. Console log. À chaque fois je me trompe. Eh oh. Pourquoi tu veux pas ce que je veux? Voilà. Contrôle S. Node, là ça va donner 1. Vous l'avez vu, ça donne 1. Maintenant, si on enlève le A, on enlève le jeu, ça va donner 3, je crois. Parce que web c'est le plus petit. Ctrl S, on va essayer. Node main 3, bravo! Je vous laisse. Abonnez-vous, likez. J'espère que vous avez compris. C'est vrai que comprendre l'algorithmie, même au départ, je comprenais pas. Si on comprend bien les boucles, normalement ça doit bien se passer, Inch'Allah. Abonnez-vous, likez évidemment. Merci à tous.